numéro 14 est une pouliche représentant le jeune étalon Magnetic Jim, le seul Galiléo gagnant au Hauteuil. Magnetic Jim, il fait la montoire de la E9. Je suis tendu Salio. La Merchifa, on la connaît très bien, mais elle a gagné le prix Altesse 5 au Sable d'Olonne, elle a gagné à Sonone, elle a gagné 3 courses en plat. Elle est partie d'ailleurs, comme le nain des 4 tout à l'heure d'où vous étudiez votes, elle est partie en Irlande ensuite pour s'illustrer sur les obstacles, sur les groupes de Grand Park en haie. Puis elle est revenue pour en France. Son premier produit d'entrée de jeu, Folberg, s'est imposé en plat aligné. On retrouve bien sûr une origine qu'on connaît par cœur et qu'on verra à nouveau à plusieurs reprises aujourd'hui, c'est la celle de Caruso Soying, Soying Neo Grandi, et Cédilla, dont nous avions introduit ici il y a quelques minutes. Marchons pas, s'il vous plaît. On est 6 mai. Cette fille de Chifa. Vous voyez sous champ UPS, elle semble infancy, Olshani. En fait, Olshani, c'est la jument de base du double élevage quotidien, puisqu'il y a la souche exploitée par Jean-Luc, avec la descendance de Vindy, et la souche exploitée par Alain, avec une sœur de Vindy qui est également confiée. C'est la pouliche qu'on veut voir. Chez Jean-Luc Cotille, dans la manche. Très beau cheval, vainqueur de Quintet à Saint-Cloud. Faire le troisième en groupe 1. Passé à l'obstacle, cher Clotilde, vainqueur à Hauteuil, devenu étalon, pour un rat de la N9, qu'on présente ici, c'est la première génération.